Bouncy drivers behind the line. In 3, 2, 1, go! C'est parti! Astro a choisi de shooter directement dans le Harbor Port. Tandis que Tech Pokies ramasse toutes les power cells du tunnel. Et un beau, belle performance de Phoenix dans la phase autonome. Les pilotes sont maintenant aux commandes. Drivers are teleoperating now. All the trenches have been cleared. Getting into position in both sides. L'écart est très faible, 34 à 39. Dans les deux cas, le niveau 1 risque d'être activé très bientôt. Voilà, c'est chose faite pour l'équipe bleue. Avec 39 à 39, on surveille le score. C'est très serré. Il y a un contact juste ici entre les Northern Lights et Astro. Pendant ce temps, Tech for Kids se place. Et là, on a un beau shooting de Phoenix. Je pense que Northern Knights a perdu un bumper. Il a choisi de se stationner. Très beau tir du côté de Lions Wall Red. Après un déplacement très mobile, Phoenix vient de tirer 3 Power Cells dans le Outer Port bleu. Et l'écart se creuse, 52 à 43, 52 to 43. Beau positionnement également pour Sonic Howl. Qui doit laisser la place maintenant à Phoenix de son côté. Pendant que Spartek finit son travail de shooting et le 30 dernières secondes est amorcé, Northern Knights va se suspendre. Northern Knights is hanging. Red team is taking. Oh! Simultaneous hanging for the blue team. Will it level up? Will it level up? Okay, Phoenix is working hard. That was close. Victoire à l'équipe rouge, 80 à 77. Victory to the red team, 80-77. Very close score. 2 points de classement supplémentaire.